Tu me dis quand ça fume. Ça fume. Ok, c'est Mère Patrick. Bon, du coup, moi, c'est Andréa Métro, je suis en deuxième année de pharmacie, je suis passée en tant que primante à Orsay. Moi, j'étais plus à la BU parce qu'à la maison, c'était insupportable. Genre, j'avais 25 mètres carrés, du coup, je me sentais beaucoup trop étriquée, du coup, BU direct. Planning impossible de marcher au feeling et beaucoup trop de trucs dans ma tête qui se chamboulaient et du coup planning. Petite nuit, j'avais pas besoin de beaucoup dormir. En groupe, c'est beaucoup mieux, on peut partager les idées et se poser des questions. Le vrai, parce que on était plus concentrés et j'arrivais pas à me concentrer jusqu'au bout pour les faux examens. Moi je faisais aucune de ces pauses, j'étais en mode avec mes potes et on discutait ensemble et voilà, on rigolait. Écrire direct, ça rend beaucoup mieux. Testant. Et c'est le seul moyen de se faire plaisir pendant l'année, du coup c'est direct festin, genre collation, non en fait. BU. Parce que je sais pas, c'était calme, alors que les amphis, j'y allais pas de toute façon, donc je sais pas. Nuit. En fait, je commençais très tôt le matin et du coup, j'aimais bien la nuit, ça me calmait, ça me permettait de me concentrer. Repas solo, j'habitais toute seule. Journée type, c'était debout 6h, je commence à travailler à 6h30. 6h30, 7h et jusqu'à 11h30. Après, on mangeait. 16h30, une nouvelle pause et après, je travaillais jusqu'à 21h30. Muet, mais je peux pas parler quand t'es à la BU, c'est chiant. Tu saoules tout le monde. Mental d'acier, tu me prends pour qui là? S2, l'anatomie. Et la base S1, c'était trop nul, il y avait des matières chiantes, donc S2. Du coup, aucun des 5, parce que je détestais le premier semestre, donc vraiment, il n'y a aucun favori. Faites-vous des potes, parce que quand ça, vous êtes saoulés, genre... Tuto. Tenez bon, c'est bon, c'est un an, on fait pas de soirée pendant un an, mais après, vous inquiétez pas, là, on en a plein après, hein. Donc voilà, tenez bon.